Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information Lumière de l'Info. Ici, nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales. Nous vous prions juste d'être courtois et polis. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information. Merci et bon visionnage. Dans la dynamisation du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nationales, le gouvernement burkinabé traite avec la Russie et la Serbie pour l'acquisition de plusieurs hélicoptères de combat. Le président du Burkina Faso, le colonel Ibrahim Traoré, a passé une commande en Serbie puis en Russie pour l'achat de plusieurs hélicoptères de combat qui devraient être livrés dans les prochains jours. D'après les informations, un responsable sécuritaire burkinabé, l'enjeu de cette commande est d'accroître considérablement la réactivité de l'armée de l'air en cas de survenue d'incident sur n'importe quelle partie du territoire. Nous voulons être capables en 15 minutes voire 10 minutes de réagir, a indiqué cette source. Le coût estimatif de ce matériel militaire est de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. L'on se souviendra en effet des déclarations du commandant des opérations du théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, en conférence de presse le 29 juillet 2022, où il annonçait de nouvelles acquisitions d'équipements militaires en cours. De gros efforts ont été consentis par l'état-major du renforcement d'équipement des forces de défense et de sécurité. Des capacités au niveau stratégique et tactique sont en cours d'acquisition, avait déclaré en substance le lieutenant-colonel Yves Didier. Enfin, en fin de semaine dernière, le président de la transition a pour sa part signé plusieurs décrets entrant dans le cadre de la réorganisation des forces armées nationales. Ainsi, certaines unités comme le groupement central des armées basé au camp Guiloum ou à Drago, à Ouagadougou, ont été dissoutes. Un 26e régiment d'infanterie commando a également été créé à Boromo. Plusieurs bataillons militaires ont aussi été délocalisés dans des zones sous menace terroriste. Il s'agit entre autres du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien précédemment basé dans le San Matan et a été délocalisé dans le BAM, du bataillon du génie militaire délocalisé dans le Burkindé et de celui des transmissions stratégiques des armées qui a été délocalisé dans le Bazenga. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis et vos requêtes en commentaire. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye.